monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui c'est une vidéo assez excitante parce que nous allons parler de la nouveauté matière première, à savoir Vanilla Powder. Mais c'est excitant pourquoi? Parce que c'est une note que j'affectionne, mais vous le savez, j'aime trop la vanille, vraiment je suis passionnée par cette note là, c'est l'une de mes notes préférées associée à l'une de mes marques préférées, donc franchement je suis aux anges, donc je suis ravie de faire cette vidéo là pour vous parler de ce parfum et de vous le présenter plus en détail. Donc sur ce, nous allons commencer de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir, de vous abonner et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Let's go. Donc voici le packaging qui se présente comme ceci, hein, ça change pas des autres. Donc Vanilla Powder créé par Aurélien Guichard, bien évidemment. Donc voici le flacon Vanilla Powder, une excellente vanille avec un côté noix de coco râpée, musc Palo Santo. C'est un parfum... Sur ma peau, il a vraiment ce côté crème dessert à la vanille, saupoudrée de noix de coco avec une touche de Palo Santo qui vient lui apporter une densité, une richesse, une structure et un peu plus de cachet. C'est un parfum assez agréable, vraiment très très beau, très enveloppant. Je l'ai porté aussi en été parce que j'avais eu un petit échantillon pour le tester. En été, franchement, il est super beau aussi. En automne, parfait. Et en hiver, je pense qu'il sera encore plus beau. Mais sincèrement, je pense que c'est un parfum qui peut se porter toute l'année. Après, ça dépend de vous. Il faut vraiment le tester et voir un peu ce que vous en pensez sur peau. Et c'est un parfum qui s'adresse vraiment à l'humanité. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un parfum qui plaît beaucoup aux personnes qui n'aiment pas la vanille de base. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Si vous n'êtes pas fan, par exemple, de vanille, n'hésitez pas quand même à aller l'essayer, de le tester sur peau, de le laisser vivre, vous faites un tour, vous demandez un échantillon, que sais-je, pour pouvoir le comprendre, le laisser s'exprimer, parce que c'est important de laisser s'exprimer les parfums, sinon si on les juge à la première pulvérisation, c'est un petit peu complexe pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Mais sincèrement, celui-ci, je vous conseille de le tester, de prendre le temps avec lui. C'est un parfum hyper méga unisexe, donc vous avez un homme ou une femme, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Mais voilà, si vous aimez les senteurs chaleureuses, boisées, lactées, franchement, testez ce parfum. Il est juste incroyable. Franchement, c'est un coup de cœur. Si j'en fais une vidéo dédiée, c'est vraiment qu'il vaut le détour. Donc sincèrement, n'hésitez pas à aller checker Vanilla Powder de matière première, qui est juste une bombe nucléaire. Franchement, j'avais tellement hâte qu'Aurélien nous fasse une vanille pour matière première. C'est chose faite. Donc franchement, go tester ce parfum et j'ai hâte d'avoir vos retours. Si jamais vous l'avez déjà testé ou pas, j'en sais rien, n'hésitez pas à me le dire, mais franchement j'ai trop hâte d'avoir vos premières impressions et de voir un peu ce que vous en pensez, si vous allez craquer ou non, et même là vous pouvez me dire si jamais ça vous intrigue ou pas. Puisque nous sommes sur une vidéo matière première, nous allons parler des nouveautés aussi, enfin des nouveautés corporelles cette fois-ci, puisque matière première nous a fait des produits corps, donc à savoir gel nettoyant main et corps et lait hydratant main et corps sur 4 références, à savoir Radical Rose, Crystal Saffron, Parisian Musk et French Flower. Donc là entre les mains j'ai Parisian Musk. C'est si vous voulez sentir bon toute la journée, il faut impérativement compléter votre parfum par leur gamme corporelle. Donc si par exemple votre parfum préféré est Parisian Musk, imaginez simplement, vous vous lavez avec Parisian Musk en gel lavant, vous hydratez le corps avec le lait corporel et vous vous parfumez avec Parisian Musk, imaginez simplement la tenue, le sillage et le mood dans lequel vous serez avec ce genre de produit. Enfin, franchement, c'est juste incroyable. C'est des flacons pompes. Franchement, je les trouve super beaux. C'est vraiment très matière première, très black and white. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très classe, en fait, le noir et blanc. Et donc, voilà, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais vraiment, c'est une gamme complémentaire à avoir. Si jamais votre signature olfactive est Radical Rose, vous avez la gamme corporelle Radical Rose, French Flower, pareil, et Crystal Saffron, pareil. Donc franchement, go checker les produits complémentaires matière première. Donc voilà les chéris, ma revue est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à me dire quel produit vous attire le plus dans cette vidéo. Et sur ce, bah écoutez, on se retrouve très très vite. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis à la prochaine.